Bienvenue dans le showroom digital Dacia. Nous allons découvrir Dacia Spring, premier véhicule 100% électrique de la gamme Dacia. Ligne musclée, dimensions compactes, nouvelle signature lumineuse LED, Dacia Spring conjugue l'agilité d'une citadine à un look de baroudeur urbain. Dacia Spring se démarque avec sa garde au sol surélevée, ses boucliers avant et arrière robustes, ses protections d'arches de roue ainsi que ses barres de toit qui lui donnent un look de SUV. Avec Dacia Spring, prenez part à la révolution électrique. Une fois à bord, Dacia Spring donne une impression d'espace, avec son tableau de bord élégant aux lignes horizontales et épurées. Remarquez ces reflets bleus qui dessinent le contour de la zone multimédia, des aérateurs et des baguettes de panneaux de porte, lui apportant un design unique. Quant au confort de conduite, la position haute se révèle particulièrement agréable. Malgré son gabarit compact, Dacia Spring offre une habitabilité record. L'intérieur spacieux propose 4 vraies places et les sièges avant disposent d'appuis-têtes intégrés qui soulignent la modernité du véhicule. Le coffre de Dacia Spring voit les choses en grand, avec 290 litres disponibles qui passent à 600 litres une fois la banquette arrière abattue. Dacia Spring dispose d'un équipement numérique complet avec son système multimédia doté d'un écran tactile de 7 pouces et de son écran conducteur couleur de 3,5 pouces pour retrouver toutes les informations utiles à la conduite électrique. Depuis l'écran tactile du système multimédia, vous accéderez facilement à vos stations de radio préférées et à votre musique grâce à l'appairage Bluetooth ou directement via les prises USB et jack. Mais vous pourrez aussi lancer vos appels ou décrocher en toute sécurité sans quitter la route des yeux. Avec la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, le système multimédia vous permet d'appairer facilement votre smartphone à votre véhicule afin d'accéder à vos applications préférées directement sur l'écran multimédia. Dacia Spring veille sur votre sécurité et votre confort avec ses nombreux systèmes d'aide à la conduite. Avec le mode Eco, Dacia Spring optimise la consommation d'énergie et vous aide à économiser la charge de votre batterie. Et grâce au système de freinage régénératif, vous récupérez de l'énergie à chaque décélération ainsi qu'au freinage. Pour profiter de la route sans stress, le limiteur de vitesse vous aide à respecter la limitation de vitesse présente sur votre trajet. Dacia Spring facilite vos manœuvres grâce à des capteurs disposés dans le pare-choc arrière. Lorsque vous reculez, des signaux sonores vous informent de la présence d'obstacles. Et pour encore plus de confort, la caméra de recul affiche sur l'écran multimédia un retour filmé de l'environnement situé derrière votre véhicule. Pour une sécurité optimale, le freinage actif d'urgence vous alerte en cas de risque de collision. Sans action de votre part sur la pédale de frein, le système freine automatiquement. Le système d'appel d'urgence e-call contacte automatiquement les secours. Et avec le bouton SOS, vous pouvez joindre un centre d'appel d'urgence en cas de nécessité. Et pour toujours plus de sécurité, Dacia Spring dispose de 6 airbags qui vous protègent, vous et vos passagers. Avec son moteur 100% électrique de 33 kW, Dacia Spring garantit une conduite dynamique et des accélérations linéaires sans à-coups grâce à l'absence de passage de vitesse. Vous apprécierez son silence de fonctionnement et l'absence de vibrations qui offre un confort de conduite inédit. Dacia Spring est équipé d'une motorisation 100% électrique. Grâce à sa batterie de 27,4 kWh, vous disposez de 305 km d'autonomie en cycle urbain WLTP et jusqu'à 230 km en cycle mixte WLTP, de quoi sillonner les villes et les routes en toute sérénité. D'autant plus que votre batterie est garantie 8 ans ou 120 000 km. À domicile, rechargez votre Dacia Spring simplement sur une prise domestique classique ou une prise renforcée GreenUp. Et pour bénéficier d'un chargement accéléré en moins de 5 heures, installez une borne Wallbox.
Si vous n'avez pas de solution de recharge à domicile, vous pourrez vous brancher facilement sur les bornes du réseau public. Et si vous êtes pressé, votre batterie peut se recharger jusqu'à 80% en moins d'une heure sur une borne de charge rapide. Pour recharger votre Dacia Spring, rien de plus simple. Ouvrez la trappe de chargement à l'aide de la manette spécifique située sous le volant, puis branchez le pistolet dans le connecteur. Le verrouillage de la prise est automatique. Lorsque la charge est terminée, déverrouillez le pistolet simplement en faisant un appui sur le bouton de déverrouillage des portes de votre clé, puis refermez la trappe de chargement. Toutes les informations de charge sont disponibles depuis l'écran conducteur. Vous pourrez ainsi vérifier le pourcentage de charge de votre batterie, mais aussi le temps de charge restant ou encore la distance pouvant être parcourue avec la charge disponible. Avec son design moderne, son intérieur spacieux et sa motorisation 100% électrique, Dacia Spring marque le début d'une nouvelle ère vers une mobilité électrique accessible à tous. Votre véhicule est équipé d'un sélecteur de modes de conduite. Vous pouvez sélectionner trois modes. D pour la marche avant, N pour le point mort et R pour la marche arrière. Afin de démarrer votre véhicule, assurez-vous que le mode N est bien sélectionné. Puis, appuyez sur la pédale de frein et enfin, tournez la clé. Le témoin OK s'allume au tableau de bord pour vous confirmer le démarrage du véhicule. Notez que pour changer de mode de conduite, vous devez appuyer sur la pédale de frein, puis tourner le sélecteur vers le mode désiré. Il clignotera alors au tableau de bord pour vous confirmer la sélection. Si au moment de changer de mode de conduite, la pédale de frein n'est pas enfoncée, ce témoin s'affiche au tableau de bord. Appuyez alors sur la pédale de frein, puis sélectionnez votre mode. Sachez qu'en roulage, lorsque vous levez le pied de la pédale d'accélérateur ou que vous freinez, le moteur génère du courant électrique qui est utilisé pour freiner et recharger la batterie de traction. Notez enfin que la position N ne bloque pas mécaniquement les roues. Lorsque vous quittez votre véhicule, vous devez serrer le frein à main pour assurer son immobilisation.